Bonsoir, monsieur. Excusez-moi. Bonsoir. Oui. Oui, vous allez bien? Très bien, vous? Oui, 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 oui. Dites-moi, Moi. Comment dire, est-ce que vous seriez propriétaire ou vous connaissez des propriétaires de champs de tabac? Bah justement, j'allais pour en acheter un. Ah oui, c'est vrai. Ah bah c'est génial ça. Oui, parce que je vais pas vous mentir, je suis propriétaire aussi d'un champ. Voilà. Oui. Et sauf que apparemment il y a un propriétaire qui a décidé de grassement payer ses employés, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et donc du coup j'aurais aimé échanger avec lui pour savoir à combien il comptait vendre ses paquets. Parce que à mon avis, comment vous dire, je pense que mes paquets seront beaucoup, beaucoup moins chers que lui au vu de combien il paye ses employés. Vous voyez? Ouais. Bah, justement, j'allais faire l'acquisition d'un champ de tabac pour faire mes propres paquets et en vendre un peu. Oui, mais vous avez raison, monsieur, voilà, vous avez raison. Et j'étais parti sur l'idée de 2,50 le paquet en vue du prix de production. Oui, après, ouais. Parce que vous vouliez pas le changer, c'est ça? Le changer? Le prix de. Comment dire? Vous avez tout essayé, monsieur? Oui, j'ai fait des calculs et tout ça. Moi, je vous parle par exemple juste du coût de revenu d'une feuille de tabac. Vous comptiez la changer ou pas du tout? Moi, je vais pas vous le cacher, monsieur. Peut-être peut monter un chouille, mais pas... Mais mes employés gagnent 9 cents par tabac, voilà, par ouais. plante. Et je trouvais que c'était un bon prix pour vendre des paquets assez à un prix raisonnable, on va dire. Voilà. Le problème étant j'ai trouvé un champ avec 30 cents la plante. Qui est quand même x3, vous voyez. Bah moi j'en ai trouvé un avec 56 la plante, donc Oui, mais par contre, ouais. Oui c'est celui-là. Mais par contre, ils achètent 20, voilà, donc ça fait. Ça fait oui bah oui. Voilà, oui, c'est ce que je vous dis. Truc, coup, oui, c'est oui, ce oui. que je vous dis. J'avoue que j'ai pas trop encore trop réfléchi. Le problème étant que si on ne s'aligne pas, les gens ne travailleront pas pour nous, vous comprenez? Alors que moi il y a des gens qui travaillaient avant, vous voyez. Là j'ai peur que ça rebute certaines personnes. Ouais, je pense que ça va rebuter certaines personnes. Voilà, c'est pour ça que vous avez un télégramme, monsieur. Oui, alors est-ce que je l'ai en tête? Non, faudrait que j'aille on aille vite au poste de ta. Pas de problème, parce que bon, je sais pas si ça vous intéresse, mais une fois que j'aurai trouvé ce monsieur, peut-être qu'on pourrait discuter à trois du coup. Oui. Après il me semble que c'est un shérif. Ah oui. Après lequel je ne sais pas, mais il me semble avoir entendu que c'était un shérif. Bah très bien, mais c'est pas grave, on peut faire quand même des affaires, vous savez. Ah oui, je ne suis pas contre la guerre des prix, vous voyez. Mais oui, je vais pas le faire si personne veut le faire, voilà. Oui, bah j'imagine. Donc si on peut s'arranger, on s'arrange, sinon, ce sera la guerre des prix, comme de partout, comme tout business. Exactement. Voilà. Et bah allons rapidement là-bas, comme ça je prends votre contact. Et puis on ferait une réunion à 3, comme ça au moins. Vous avez assez pour l'acheter là, ouais, vous allez le faire là. Bah justement, j'y vais là, ouais. Et bah parfait. Juste retirer un peu d'argent et aller jusqu'au champ. Vous avez raison, monsieur, vous savez, les gens ne pensent pas à investir, mais c'est très important. Ah bah il faut. Après, je sais pas si c'est votre objectif en fait. En tant qu'Irlandais ici, je sais pas si vous vous sentez un peu seul ou pas. Mais je vous avoue que pour l'instant, mon objectif est surtout d'éviter de crever de faim et de me faire bouffer par des loups. Ah, mais c'est pour ça que je vous ai donné du travail légal, vous allez pas avoir de problème normalement. Oui. Maintenant, je suis comme vous, moi, monsieur, vous savez. Je suis que dans le légal pour le moment. Que dans le légal. Je me dis, bon. Voilà, j'ai des contacts, je les partage à ceux qui veulent, on va dire. Mais sinon, voilà, on reste sage, quoi. On reste sage. On va tirer du monde qui sont en train de faire également. Moi, je vais aller discuter avec le monsieur, attendez. Pendant ce temps-là, moi, je vais lancer ma production. Faites. N'oubliez pas de regarder combien ça vous coûte, pour combien. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Oui, vous. Oui. Dites-moi, monsieur, vous êtes bûcheron, c'est ça? Non, pas spécialement. Disons que j'ai besoin d'un peu de bois, donc... D'accord. Vous faites plutôt des feuilles ou des planches? Plutôt des feuilles pour le tabac. Ah oui, donc vous êtes propriétaire d'un champ de tabac, par exemple? Non. Ah, d'accord. Ah, vous travaillez au champ de tabac? Non, disons que... Je suis en train de récolter pour mon saloon, en fait, si vous voulez. Ah, très bien.
pour pouvoir mettre en vente du tabac à Strawberry. Oh, ce serait génial, vous êtes pas trop de saloon, c'est ça? Je suis employé de saloon. Employé? Ah bah très bien, bah, je suis employé de saloon aussi, monsieur, enchanté. Donc comme ça, si on a un peu de tabac à Strawberry, ça peut amener un peu plus de monde. Oui, pourquoi pas, bah, vous savez, tous les saloons proposent du tabac, il faut vous y mettre aussi, hein. J'en ai encore jamais vu dans les autres saloons, hein, personnellement. Ah bah, il y en a... Okay. Si, si, monsieur, croyez-moi. Franchement... je travaille au saloon de Rose, monsieur. J'en ai tout le temps sur moi. Franchement, Valentine, j'en ai pas. Dans un saloon, il faut à boire, à manger et à fumer, quand même. Ah bah, surtout quand... Et avec une bonne table de poker, c'est encore mieux. Ah bah, voilà, monsieur. D'ailleurs, tous les lundis, il y a une partie de poker. De 20h à 1h. Bon, à part ce soir, parce qu'il y a un événement... vous allez à l'événement, non? Il y a un événement, je sais pas, du triathlon, des trucs comme ça, là. Vous savez, au manoir Crêle, à 21h, je crois. C'est pour ça, ils m'ont demandé de pas faire la partie de poker, parce que vous savez, ça ramène du monde, là, les cartes, etc. Je leur ai dit, d'accord, on la commencera après votre événement, voilà. Oh, j'aurais bien voulu participer, mais bon, j'ai pas encore assez d'argent pour me créer une boîte pour le Telegram. Ah, c'est dommage. Après, je crois qu'en vrai, je vais essayer de le jouer tout pour le tout. Hein. Je vais me pointer là-bas à 21h. Ah, bah oui, mais faut faire ça. Hein. Et je crois qu'il y a 70$ à gagner juste ce soir déjà. Oh putain. Et puis vous pouvez vous qualifier pour l'étape de demain, je crois. Parce que c'est sur 3 jours en tout. Attendez, parce que le triathlon, c'est quoi? Mais je sais pas, vous avez pas vu les affiches? Je crois qu'il y a des affiches partout dans le pays. Le triathlon, c'est pas 3 épreuves par hasard? L'affiche. Oui, ça doit être 3 épreuves. Sur l'affiche, c'est un type avec des sacs de billets qui est dans la flotte. Donc j'avoue. Bah, à mon avis, il va falloir nager, monsieur. J'espère que c'est pas dans le bayou. Oui, d'accord. Ça ajouterait un peu de piment. Ah, ouais, moi je vais aller voir ça. On va très bien, enchanté, monsieur. En tout cas, je passerai dans votre saloon avec plaisir. Un coup à ce qu'il se fasse manger les fesses. Je vous ai pas proposé, vous voulez peut-être un cigare, non? Oh, bah pourquoi pas, si vous avez, tiens, comme ça en parlant affaires, c'est toujours mieux. Ah bah je peux pas, il a déjà lancé la production et il veut pas que je regarde ce qu'il est en train de faire. D'accord. Mais c'était... Non, c'était 26 ou 27, et pas 36 ou 27. Très bien, et bah du coup ça faisait 19-7. À ça, il faut rajouter votre coût de main d'œuvre. Et ce qui fera le prix de rachat auquel je vous rachète le papier. Ça vous va? Tiens, je peux savoir comment vous appelez s'il vous plaît? Oui, monsieur Williams, Joe. Ok. Merci monsieur. Mais du coup, vous vendez vos cigarettes pas très cher, vous, parce que merde, au prix de... Avec le tabac séché et le prix de la feuille, oui, 50 cents, je vais pas beaucoup sur la cigarette. Justement, moi, c'est pas mon objectif. Ah, Strawberry, c'est 2$ le paquet, hein. Non, c'est pas possible. Vous êtes perdant, je pense. Parce que... À 2$ la cigarette 2$ le paquet, monsieur, vous serez perdant, je vous le dis. Ouais, mais là, c'était pour m'arranger avec un client. Ah. Oui, parce que du coup, ça fait 20 cents la cigarette. Non, mais monsieur je vais adapter le prix de la cigarette à votre prix à vous. C'est vous qui allez chercher le papier. Vous comprenez? Oui. C'est pour ça que je vous dis ça. De toute façon... Après, bah, si vous avez envie de faire ça, quoi. Si vous avez pas envie, c'est pas grave, tu vois. Ah non, je... De toute façon, moi, j'ai besoin d'argent quoi qu'il arrive, donc... Moi, ça m'arrange si... Moi, j'ai besoin de papier, de toute façon. Bah voilà, bah regardez, vous avez un deuxième client, en plus. C'est pas génial, ça? Parce que, ouais, et je suis sûr que je peux vous en trouver d'autres. Bon, on a entre 10 et 15 cents... Mais voyez, nous, en travaillant au saloon, on n'a pas le temps d'en faire non plus, voilà, quoi. Faut qu'on soit au saloon. Bah, disons que sinon... On passe notre vie ailleurs. Voilà. Alors, c'est pour ça nous cherchons, enfin moi en tout cas je cherchais, mais monsieur je pense aussi, des personnes à qui on achèterait le papier. Et en fait, vu que vous serez les premiers sur le marché, et ben en gros, tant que personne vient me voir en me disant, ben moi le papier je peux vous le vendre tant, et ben je prendrai chez vous en fait. Vous comprenez? Voilà, après, et quand je prendrai pas, et quand je prendrai pas à vous, et ben je prendrai au prix que vous m'avez fixé. Vous voyez? Ouais. Oui, pas bête. Oh mon dieu! Vache! Monsieur, vous allez bien? Oh là là, messieurs! Vous allez bien, messieurs? C'est pas une bonne idée.
super. Ah ouais, vous êtes sûr? Non mais tiens, attendez, mais doucement, doucement, il vient de faire une grosse chute déjà. Tu viens de me forcer dedans, espèce d'enculé. C'est pour tout à l'heure, cul. Pourtant, t'as l'air d'aller très bien, mon salaud, depuis tout à l'heure. Il y a une sacrée ambiance dans ce groupe-là. Oh la vache. Et bah, messieurs. Ils ont l'air vachement doués, hein. De base, je suis blanc. Et bah, vous êtes plus blanc. Faites attention, messieurs, faites attention, allez doucement. Oh, très beau cheval, monsieur. J'adore. Magnifique bête. Ah bah, il s'est barré. On va le manger. On va le manger, ce truc. Pourquoi vous mangez du cheval, vous, monsieur? Il m'a mis un coup de sabot, on va le manger maintenant. Ah bah oui, bah alors après, faut éviter de rester derrière, en fait. Il va faire du steak de cheval, là. Ouais, si... Bah si jamais vous vendez du steak de cheval pour faire des, je sais pas, des bons petits plats, moi, je suis preneur. On est tous les deux preneurs, je crois. Ah bah oui, bah y a aussi le monsieur du salon de strawberry, c'est vrai. Bah je mange pas de cheval, messieurs. Non, pas oh, mais il y a bien des gens si vous qui mangez pas de cheval, on peut vous donner des carottes. Hein. Ouais. Ah, par contre, un petit rat de rat. Moi j'ai mis le whisky. Pour le rat. Ah, à Strawberry, des fois on fait des spécialités, c'est au chaton. Oula. Whisky. Ah, bah le whisky, y'en a, oui, mais bien sûr, monsieur, on va pas aller dans un salon sans vendre du whisky. Mais on se reverra là-bas pour du whisky. Ouais, très bien, même au salon de route si vous voulez, y'en a de partout. Hein. Pardon. Sans pomme, vos frites. Ah oui, bah c'est fait par Dolores, la jeune petite Dolores, ouais, attention. Je peux vous dire qu'il n'y a pas les frites qui sont bonnes. Et du coup, faudrait qu'on garde contact pour le papier, si jamais. Ah bah du coup, bah oui, il faut y aller avec le monsieur, là, pour le papier. Bah, malheureusement, pour l'instant, j'ai pas encore de télégramme, comme je vous ai dit. Ouais, non, mais... Vous me cherchez, vous savez où me trouver, maintenant. De toute façon, je circule entre Rhodes et Strawberry. J'aime pas trop mettre les pieds à Valentine, mais je circule entre Rhodes et Strawberry. Ouais, c'est parfait. Parce que la dernière fois que j'ai voulu m'approcher de Saint-Denis, tout ce que je me rappelle, c'est des coups de feu et ensuite le dispensaire. Ouais, des fois, il y a des Mexicains qui rôdent là-bas. Du coup, monsieur, oh, le coût de main-d'œuvre par feuille, vous l'estimez à combien, par exemple? Alors, je dois vous avouer que j'ai forcément l'habitude de négocier le tarif de la main d'œuvre. En fait, le grand problème que j'ai, c'est que vous vendez les cigarettes pas très chères. Mais non, mais monsieur, arrive, si. Je peux pas monter le prix trop. Mais si, parce que s'il faut, j'augmenterai le prix des cigarettes, c'est pas grave. Ouais, on augmentera le prix des cigarettes. Mais ce que vous comprenez pas, c'est que il faut que tout le monde gagne sa croûte, sinon ça va pas marcher longtemps, vous comprenez? Ça sert à rien que vous soyez en déficit et qu'on soit tout le temps obligé de vous donner de l'argent pour que vous puissiez vous remonter. Bah oui, parce que nous, ce qu'on essaie de trouver, c'est moi en tout cas, hein, c'est quelque chose qui marche sur le long terme, monsieur. Ouais, c'est du long terme. Monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. C'est pour ça que vous pouvez augmenter. Augmenter. Et déjà. C'est sûr que vous serez plus cher que ce que je fais moi, parce que quand je le fais moi, ça me coûte ce que ça vous coûte au minimum. Votre donc il n'y a pas de. Voilà, ça. Exactement. Donc c'est obligé. Ne pensez pas à ça. Pensez plutôt à ce que vous seriez prêt à gagner pour chaque feuille vendue. Mais en pensant au boulot nécessaire, donc en gros ça fait du coup, oui vous avez raison, ça fait deux bûches. Et le temps d'attente, et le temps d'attente ici aussi, payez ça aussi. C'est ça, c'est un moins de bûches. Il peut rentabiliser son temps en attendant. Oui, mais en soi il a le droit de le faire payer un petit peu aussi quand même. Ah oui, là c'est surtout que là je savais pas qu'il fallait attendre autant de temps, sinon j'en aurais déposé une partie au début et j'en aurais ramené au fur et à mesure. Et puis après, en vrai, il n'y aura pas forcément d'attente. Si jamais, des fois, vous pouvez déposer votre production à faire et je peux venir sans temps surveiller, on vous les pique pas. Parce qu'on peut les piquer. On peut prendre la production. Ouais, on peut la prendre. Hein. Ah, d'accord. Faut se méfier. Monsieur, excusez-moi, vous êtes. Oui, pardon. Vous êtes. Elijah Stern. Enchanté. Joe Williams. Du serveur barman au salon de route. Bah moi je suis à Strawberry, ça sent bien. Vous êtes le patron. Je suis le propriétaire. Oui. Oh mais bah vous saviez quoi, on parlait de vous il y a quelques instants. Oh tiens, je serais ravi de savoir si... C'est simple en fait, ma patronne a fait une petite entente avec la patronne du salon de Valentine. Voilà, et je disais à votre employé que si ça vous intéresse, faudrait peut-être passer voir ma patronne pour faire la même chose.
C'est simple, hein. Ce serait un truc du genre, bon, on pourrait en discuter, ouais. L'alcool, on peut peut-être se faire la guerre des prix si vous voulez. Voilà. Ouais, pourquoi pas. Mais par contre, les plats, on pourrait s'entendre sur les spécialités de chacun. D'accord, ouais. Voilà. Parce qu'il y en a beaucoup, je sais pas si vous avez vu. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Attends. Pour vous dire, j'ai dû faire un. Un petit. Une petite comparatif. Feuille. Ah, mais nous, nous aussi, monsieur, vous inquiétez pas, on a fait ça. Mais... Disons que j'ai passé un certain temps à le faire. Oui, mais oui, moi aussi, monsieur. C'est moi qui l'ai fait pour ma patronne, donc je vois de quoi vous parlez. Je commence à en avoir marre. Après, si vous cherchez des contacts pour vous fournir, etc., ah, ouais, je peux vous les donner. C'est ce que j'allais vous demander. Oui, oui, oui. Alors, moi, j'ai un contact de chasseurs, surtout. Oui, moi, il y a des gens qui sont venus, mais ils n'ont pas laissé de contact ni rien. Donc, ouais, moi, j'ai un psy, il s'appelle Emmett. Je sais pas si vous voyez qui c'est. C'est pas un vieux monsieur, ça? Si, si, si. Celui-là, prenez-le, il, est très, il est très bon dans ce qu'il fait. Voilà. Okay, voilà, les livraisons sont, sont à l'heure, le jour où il l'a dit, elles sont complètes. Ah, très bien, c'est noté. Donc voilà, après je vais pas vous mentir que pour l'instant, pour tout ce qui est, voilà, que ce soit les vergers ou tout ce qui est à la ferme, etc. Bon, moi la seule ferme, avec qui j'ai commencé à discuter, c'est la ferme de Saint-Denis. Donc vous, ça fait un peu loin pour vous, mais en plus de ça, bon, c'est un shérif de Hannesburg qui la tient, donc autant vous dire qu'il y est jamais, quoi. Ouais, ouais, d'accord. Voilà. Donc c'est pas, voilà. Après, je sais, je connais une personne qui va ouvrir sa ferme. Ah. Donc peut-être que ça intéresserait d'avoir plus de clients. Excuse-moi. Par contre, par contre, il m'a pas autorisé encore à donner son télégramme, donc y a pas de soucis. Je vous le donnerai dès, au pire, dès que vous repassez voir ma patronne, j'aurai le temps de le voir lui et je lui demanderai. Je suis vraiment désolé. Ça vous va? Ouais, bah avec plaisir, écoutez. Voilà, parce que... Et là, j'ai noté ce Emmett là. Oui, Emmett, bah je le ferai passer chez vous. Y a pas de problème, bah, il passe souvent. Plaisir. Voilà. Et puis voilà, n'hésitez pas à passer voir ma patronne, parce que moi je peux pas... Moi je peux pas vous dire comment... Oui, y a pas de soucis. Je peux pas vous dire, voilà, prenez ça, prenez pas ça, etc. Voilà, c'est pas moi qui gère ça. Et pour le moment... Pour l'instant, y a pas d'impôt. Bah tant mieux. Pas d'impôt. Tant mieux. Par Après, contre, laissez-moi vous dire quelques informations que j'ai eues tout à l'heure. Apparemment, le président est favorable à la prohibition. Moi, je trouve que c'est un scandale. Moi, je trouve que c'est un scandale. C'est un peu... C'est un scandale, monsieur. Ouais, un on peut le dire. Pas mon goût, si vous voulez, on peut le dire, c'est un scandale. Le whisky serait illégal. Non mais vous entendez ça? Bien sûr qu'il sera illégal, mais bien sûr. Et ben, on le vendra toujours quand même. Oui, favorable. Si le président est favorable à la prohibition, monsieur, ça veut dire qu'il veut interdire l'alcool. Ouais, mais vous en faites pas, on va bien trouver un moyen. Oh, de les... On va bien toujours trouver un passe, moyen. Mais c'est vous ça. Les stocks. Je suis d'accord, monsieur. Je suis d'accord. Sous le manteau, ça passera peut-être. Mais le problème, c'est que moi, je peux plus me balader avec mes 3-4 bouteilles de whisky, quoi. Ah, c'est bien ça le problème. Bah ouais, moi, c'est le problème surtout pour moi. Vous savez, moi je suis qu'employé, hein. Quoi qu'il arrive, je vais être payé, moi. Ouais, mais vous en faites pas. Mais moi, le problème, c'est que, voilà, faut que je boive aussi, moi, quoi. Faut nourrir. Attendez, vous croyez que ça marche comment, là? Moi, je bosse, mais attends, si on m'enlève le whisky, attention, moi. Vous voulez plus rien, quoi. Ah bah, ouais, je suis tourné à quoi, moi. Enfin bref, je vous préviens, quoi. Après, c'est pas encore fait, mais bon. Monsieur, ah, du coup, oui, dites-moi. Du coup, oui, j'ai réfléchi ou pas? C'était 30-36 ans. J'ai eu. Ah, alors du coup, ça change le prix alors. Oui, parce que du coup, je suis à. Du coup, 13 cents par feuille pour la transformation. Ben, moi, je me suis rappelé, j'avais des planches à récupérer ici. Alors, monsieur, si vous regardez bien, faut arrondir à 14 cents, sinon vous allez être un peu perdant. On arrondit à 14 cents, oui, bon. Ça vous va? Maintenant, combien vous voulez pour votre travail? Sachant que pensez au fait que vous pourriez peut-être embaucher des gens pour vous aider, etc. En vrai, je pense que si on se met sur du 25 cents la feuille, c'est pas mal, je pense, hein. 25 cents la feuille, moi ça me va très bien. C'est ça, ouais, bah 25 cents la feuille, c'est, je pense que ça fait 10 cents de entre guillemets main d'œuvre par feuille. Et puis je pense question, que, plus on en commande, on peut s'arranger pour avoir un prix dégressif, non? Bah le truc c'est que là déjà, à 14 cents la feuille, si je la vends à 20 à... Comment j'avais dit? 25? 20? 25? Vas-y, combien?
J'ai 25, 25, 25, oui. Parce que du coup, bah, du coup, ça me fait gagner 10 cents. Donc, si jamais je commence à réduire le prix, ça va être compliqué. Oui, les seuls. Il faut essayer de négocier quand même. Oui, oui, mais les... faudrait peut-être avant de négocier, faudrait peut-être qu'il réussisse à monter son affaire en plein quand même. Ou c'est aller un peu vite, je trouve. Mais après, comme vous voulez, chacun fait ses affaires comme il veut. Non, bah après, oui, il faudrait mieux qu'on ait une entreprise pérenne. Oui, voilà, je pense que c'est mieux parce que s'il se casse la gueule dès le début, on va devoir tout recommencer dans une semaine. Hein. Le problème, c'est qu'il va falloir qu'on injecte de l'argent qu'on n'a pas. Ah, moi j'ai de l'argent. Avez... Ouais, moi j'en ai ici. Si avez... Moi, enfin, j'ai de l'argent, c'est vite dit quoi. Oui, vous avez pareil. C'est... Vos besoins en feuilles, c'était quoi? Bah là, par exemple, je veux tout ce que vous avez sur vous. Voilà. D'accord. Oui. Mais je veux dire. En, ah en mais temps, monsieur, normal, monsieur, vous pouvez sans, y aller. Sans excès aux événements. Ah non mais vous pouvez y aller, vraiment. Ouais, nous. Si nous faut, si, pareil, si vous en avez, si vous en avez trop, vous allez après regardez, il y a encore des clients à ma droite. Et moi, je vous jure, je peux encore vous en ramener. Vraiment, il y aura pas de problème. Vous pouvez vraiment y aller. Pourquoi les feuilles si c'est pas discret, monsieur? Bah pour le tabac. Ah pour bah les oui. Cigarettes et les cigares. Suis-je bête? Mais oui, tous les salauds de vendent des cigarettes. Ah, nous on va vendre des cigares, je pense. Ah oui, bah vous pouvez. Oui, bah on va vendre ce qui rapporte le plus. Ce qu'on, on va vendre ce qu'on peut vendre, hein, surtout. Mais pour l'instant. Ah, vous avez trouvé qui était le champ? Oui. Mais. Manger du plomb. Non, celui-là on peut pas lui faire manger du plomb aussi. Ah, c'est dommage. Enfin, ouais, un shérif de Valentine, faut éviter quand même. Au pire, vous dites pas que c'est vous. Oui, non, vous mais. Moi, ouais, monsieur, je suis que dans les calmes, moi, monsieur. Donc, vous voyez, voilà. C'est pas trop mon truc, quoi. Non, mais après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je m'en fous. Vous savez, dans mon salon, tout est le bienvenu. Hein. Vous savez, ça parle beaucoup. Vous verrez, dans les saloons, il y en a, ils osent pas dire ce qu'ils font. Bref. Ouais, mais de toute façon, on le sait. On le pense très fort. Voilà. Ouais. Donc, moi, ce que je vous disais par là, c'est que. En gros, on pourrait s'arranger bah, pour le tabac. Pour l'instant, je fais payer 9 cents par feuille. Donc, c'est pas fou, mais ça se ramasse très très vite. Donc, en même temps, voilà, ils se font des $30 très très vite, quoi. Mais sauf qu'il y a quelqu'un qui est en train de vendre à 30 cents la feuille. Ah, ouais, d'accord. Vous voyez, donc c'est quand même du x3. Et là, les paquets de cigarettes, ils reviennent plus au même prix, vous voyez. C'est pour ça que je vous dis ça. Ah ouais. Mais dans un sac à dos, ça pour le champ. Tout à l'heure, j'ai dans son champ, j'ai vidé tout l'argent qu'il y avait dans sa boutique. Bah oui, mais je pense que soit il s'est trompé, soit il me vend ses paquets beaucoup trop cher parce qu'il croit que c'est le seul dessus, mais pas du tout, quoi. C'est en ça qu'il faut que je le vois. Je pense qu'il y a de fortes chances qu'il soit trompé quand même. Je pense, hein, parce que moi je vais pas vous mentir, mais 36% vous avez bien fait, monsieur. Hein. Attention, hein. Moi j'aurais fait exactement la même chose que vous. Hein. J'aurais pris l'argent pour ce prix-là, vraiment. Je sais même pas si j'aurais ramassé les feuilles. Pourquoi? J'ai cru. Ah bah si, tu ramasses les feuilles, tu les vends, et puis voilà. Bon, j'ai vu le champ d'à côté, ça va vraiment vite, quoi. J'ai vu le champ d'à côté, c'était quelques cents les feuilles, j'ai trouvé, d'accord, bah, je vais regarder le champ. Puis là, je vois 20 cents le ticket, 50 cents la feuille, je fais, comment ça? Oui, mais il a dû se tromper, c'est pas possible. En tout cas, je vais aller voir, ça se trouve, il s'est pas trompé, il veut faire la guerre du prix, il y aura pas de problème, c'est juste que le tabac sera pas au même prix, je compte vous prévenir, messieurs, voilà, c'est pour ça que je voulais votre télégramme. Oui, y'a pas de soucis. Pas de soucis. Parce que je connais. En fait, je connais beaucoup de monde qui ont des champs de tabac. Je sais pas si votre objectif est d'en acheter ou pas. Ouais, moi, je vous avoue, du moment que mon salon y tourne, je les laisse gérer, mes employés. Voilà, donc je sais pas s'ils en veulent ou pas. Moi, personnellement, j'en ai acheté deux. Voilà. Je sais. Après, si on peut s'arranger pour que j'aille récolter mon tabac chez vous, voilà. Bah, moi y'a pas de problème, mais le seul truc c'est que les bons ils coûtent un cent, quoi. Moi ils coûtent un cent et vous revendez le tabac, mais du coup là vous voulez le garder donc vous allez pas le revendre. Mais si jamais vous le revendez 10 cents pour faire les 9 cents de bénéfices par plante. Ouais, non mais c'est pas le problème. Du coup on s'est entendu sur 25, monsieur, c'est ça? Bah, je vous prends le tout. C'est ça. Et bien vendu. Vous pensez à travailler à quel salon déjà? Le mien, c'est sur le salon de route. Ah, ok, d'accord. C'est Joe, je m'appelle Joe si jamais. Ok. Alors, du coup, il dit vous avez 36 ou 37, je sais plus. Nous, on va aller. Bon, Jack, j'ai une mission à nous faire.
38. Bonne fin de journée. 38, hop, putain. Bonne fin de journée, messieurs. Ça vous fait 9,50$. Bon, passez une bonne journée, messieurs. À vous aussi, messieurs. J'arrive pas à vous les donner les feuilles. Oh merde, je dois avoir trop de trucs sur moi. Bah, appelez votre cheval, hein. Oui, c'est ce que je vais faire. Non. C'est ça. Et vous l'avez acheté à... au natif. Bonjour, monsieur, vous allez bien? Bonsoir, William. Vous allez bien? Oui. Ah, je faisais des affaires, là, désolé. Ah, bah oui, c'est compréhensible. Bah, il y avait personne, là? Il n'y avait pas des collègues à moi, non? Personne. Bon, Dieu, il n'y a que moi qui travaille ou quoi dans ce business, là? Encore une fois. Ah, mais... Ça fait une heure que je suis dans mon bain. Non, c'est vrai. Ben oui, je vous jure, monsieur, ça fait une heure que je me lève. Non, c'est vrai que je suis parti un petit moment, mais c'est parce que j'ai trouvé quelqu'un qui allait me vendre du papier, du coup, c'était un peu long, quoi. Ah, d'accord. Vous voyez, entre les négociations, etc., etc., enfin bref, je vous ai parlé des détails. Vous voulez quelque chose, messieurs? Je vais vous servir tout de suite, du coup. Moi, j'aurais, mis un petit whisky avec mon frangin. Ah, bien sûr. Ils en avaient pas mis ici en attendant, non? Ah, mais non, mais on va servir, nous. On vous attendait, voilà, c'est ça. Oui. Mais vous avez raison, c'est moins cher, si vous me demandez, donc vous avez raison. C'est ça. Ah non, mais ils ont... ils en ont remis, oui. Et puis on aurait aimé voir votre employé. Mettez un coup au monsieur aussi, tiens, on va lui payer un coup aussi. Oui, voilà, le monsieur avec la belle barbe. Non, ne vous en faites pas, j'ai pas très soif, ne vous en faites pas. Bah, ça va vous faire du bien, vous la mettrez dans votre poche. Ouais, mais non, vous n'en avez pas besoin, ne vous en faites pas, merci. Mais vous voulez voir qui, du coup? Voilà, une pour Wallace. Merci. Oui, c'est... Et une pour Isley. Allez, hop là. Et bah ça vous fera... C'est combien pour les deux whisky? C'est 4$, je crois, c'est pas 2$ le whisky. Ah, y'a pas une petite ristourne pour les gens de la famille, là? Si, Allez, vas-y, c'est bon pour là, ouais. Vas-y, c'est bon. Ah oui, tu voulais pas la ristourne? Bah, vous êtes des bons clients. Vous êtes des bons clients, vous êtes comme Monsieur Liam, je vous fais une petite ristourne, si vous voulez, la prochaine fois, je vous ferai la même, voilà. Ah, bon, pas souvent, vous inquiétez pas. Qu'on est les circassiens, tu sais quand même. Bah oui, je sais, je sais très bien. Et du coup, vous avez trouvé pour votre cirque, là? Ouais, c'est en cours, là, Ah, bah c'est super. Et vous oubliez pas de m'inviter, hein. Ah bah ça, bah on va inviter tout le pays. Ah, super. Bah, ce sera avec grand plaisir, et comme vous le savez, on sera itinérant, alors peut-être qu'un jour, on se mettra devant votre saloon et ça vous fera de la publicité. Ah bah oui, bah j'ai déjà demandé, mais apparemment, la zone est un peu trop petite, on m'a dit. C'est ça, donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Bon bah très bien. Ce serait génial, moi je suis prêt à payer pour ça, il peut pas... Et vous vouliez voir qui, du coup? Le Joe. Là, je l'ai vu tout à l'heure, mais ça fait un petit moment. Ah oui, il doit être dans son bain, là, tout nu, avec une dame. Oui, à mon avis, il va certainement revenir, mais... Oui, on va l'attendre, il doit être tout nu. Et vous avez pas son télégramme, non? Si. Et il répond pas? Si. Bah alors... Il va pas tarder, normalement. Ah, bah très bien. Il devrait pas tarder, ouais. Bah, parfait, déjà, il devrait pas tarder, là. Pour ça, on est venu boire un coup ici en attendant. Oh, mais vous avez raison. À la tienne, frangin. Bon, du coup, et Monsieur Pierce, Monsieur Pierce, vous voulez quelque chose, Monsieur Pierce? Oui, je voulais voir s'il y avait Mama. Non, Mama, elle sera pas là ce soir, malheureusement. C'est bon. Oui. Ah, bah, regardez qui je vois par la fenêtre. Qui ça? Il y a le Joe qui arrive. Il est là. Je l'ai vu par la fenêtre arriver, c'est magnifique. Il y a Elvis ou pas, au pire Elvis, tu veux que je te dise? Ouais. Oh, le Joe. Bah attends, mais ils ont fait le tour, ils t'attendaient là, les messieurs. Le Joe, t'as perdu tes mains ou quoi? Ah, non. Remets tes gants. J'arrive pas, je vais essayer. Ah merde, c'est vrai. Ah bah ça c'est con ça. Bah t'imagines que je les ai? Bah j'imagine bien, mais bon. Ces messieurs voulaient te parler, les circassiens là, tu te rappelles? Non, je me rappelle pas, non. Mais si, c'est les amis. Bonjour, monsieur Mémor. C'est les amis. Vous vous rappelez pas de nous? Bonjour, monsieur Mémor. Ah, bonsoir, monsieur. Ah, oui. Oui, alors attention, je suis à l'événement avant là, je vais y aller d'ailleurs. Et après, on revient ici, on sera là, je pense vers 23h jusqu'à 1h du matin, 2h, 3h peut-être, on verra. Ça commence à quelle heure l'événement déjà? Bah, je crois que c'est dans une minute.
Putain. Mais moi je vais juste pêcher. Je vais juste regarder moi donc. Mais allez-y, oui, t'es pêché. Vas-y, putain, je peux m'inspirer. Ah le Joe, alors, tu voulais me dire quoi? C'est 1,50$ le ouinge. Oui. J'en ai 150 de vendu. Déjà? Mais attends, mais t'as tout vendu à eux du coup, tu veux pas en garder un petit peu? Tu leur fais confiance à fond? Ouais. Et bah vends tout, et bah vends tout, vas-y. Si tu leur fais confiance à fond. Mais attends, Lucio, attends. Vous savez, j'ai commencé à faire des spectacles en ville. Ah oui? Viens vers moi, Lucio. Ça y est, il y a des gens qui m'ont payé et tout. Vous faites quoi? Oula! Alors, faut venir voir, bah oui. C'est des tours de magie? Qu'est-ce que tu branles? C'est des tours de magie, vous faites disparaître des choses? Oui, oui. Ça, oui, c'est prévu, mais pour l'instant, on a payé. Attends, mais par contre, attends, tu fais pas ça ici, hein? Bah non, bien sûr que non. Oui, ouais, ok, d'accord. Non, mais j'avais peur. J'avais peur, oui. Oui, s'il te plaît. Vous feriez un spectacle pour le saloon, genre ou... Oui, j'aurais déjà demandé. Oui, j'aurais déjà demandé, forcément. Ah, ça serait trop bien, ça. Bon, moi, Elvis, on ferme un petit peu le saloon, là. On va aller à l'événement de ce soir, là. Ouais, moi, je voulais y aller, moi. Bah, viens, on y va. Allez, on y va. Ça te dit? Ouais, ça me dit. Bon, bah, messieurs, peut-être à terre. Bah, ouais, on va bien se croiser. Ouais. Oui, bonne soirée, messieurs. Ouais, bah, de toute façon, vous venez pas voir les vêtements, non? Vous en foutez, vous? Ah, on va voir, on va sûrement faire un tour. Ah, bah, alors, on se verra là-bas. Parfait. Ça marche. Vous êtes dans quelle ville, vous, déjà? Nous, on est souvent sur Valentine. Ah, oui, ok. Bon, bah, repassez, de toute façon, on va repasser au salon, hein. Oui. Bon allez, on va aller voir ce qui se passe. Là. Ah ouais, j'ai vu. Parce que le Joe, il était parti chercher des pétards, là. Ouais, mais laisse-le, il leur fait confiance, il peut gérer tout seul, il m'a dit. Ouais, c'est bon. Ouais, bah après, personnellement, ça me fait peur un petit peu, quand même. Parce qu'il en refond quand même 150, hein. J'espère qu'il se fait payer tout de suite et qu'il n'y aura pas de merde, quoi. Parce que là, il y va tout seul, c'est dangereux. Ah, ça, je vais pas demander. Oh putain, mais tu veux pas qu'on y aille avec lui, vite fait? Bah, il m'a dit que c'était bon, donc moi, je veux pas le... Voilà, mais... Non, attends, mais il va où? Bah, il est déjà parti, de toute façon, je sais pas où il est avec son ami. Putain... C'était lequel? C'était le petit gros. Là, habillé en rouge et en blanc, avec les circassiens. Oui. Ah non, ça va. Ça devrait aller. Ouais, enfin bon, ça va. Moi j'avais déjà eu des contacts avec eux, ça avait l'air d'aller, quoi. Ah, il a l'air d'avoir du monde, parfait. J'ai deux trois questions. Ah, mais c'est là! Bah, je sais pas en fait, je vais demander.